to live your life, brother. Remember this. L'expérience de la musique en Martinique, pour moi, je l'ai découvert, j'étais bébé. Parce que quand j'étais petit, particulièrement tous les week-ends, en fait, tout le monde mettait la musique à fond chez soi. Et le dimanche, c'était sûr et certain, tout le monde faisait le ménage avec la musique à fond, les fenêtres et les portes ouvertes. Donc la musique, j'ai découvert ça depuis tout petit. Après, mon expérience, mon approche directe avec la musique s'est faite par le biais de mon cousin Daddy Ayri, qui, lui, chantait déjà. Et donc, moi, j'allais le voir à Fort-de-France, au Forum France Fanon. Il y avait une petite scène qui était en plein centre-ville, comme ça. Et donc, les artistes, souvent, organisaient des manifestations. Et moi, j'ai commencé très jeune à aller dans ces sound systems, en l'occurrence. J'ai participé à des émissions, pas des émissions, c'était des organisations festives, quoi, comme ça, où il y avait de la musique tout le temps, qui s'appelait le Mot Club Mot à l'époque, qui était présenté par un ami qui est décédé depuis. Mais franchement, j'ai de très bonnes expériences, enfin de très bons souvenirs à ce niveau-là, au niveau de l'approche de la musique en Martinique, parce que ça fait partie de la culture, quoi, dans toutes les sauces. Et quand je dis dans toutes les sauces, ça veut dire que à chaque fête a son style musical, quoi, aussi. Donc ça s'est fait naturellement. Et ensuite le reggae, c'est plus par rapport aux thèmes musicaux qui sont utilisés dans le reggae. C'était des thèmes qui me parlaient plus, donc automatiquement je me suis retourné vers le reggae.